Dans l'Éthiopie de 2010, la mentalité concernant la place des femmes est encore très traditionnelle, très conservatrice, surtout dans les classes sociales rurales et basses. Et il faut savoir que la paysannerie, ça représente environ 82% de la population éthiopienne en 2010, selon Macro Trends. Le schéma de la vie d'une femme en Éthiopie est relativement simple. Enfant, elle doit très vite aider aux tâches domestiques, apprendre à cuisiner, s'occuper de ses frères et sœurs si elle en a, et souvent elle en a. Être très pieuse, devenir un exemple pour la communauté, qui très souvent est imprégnée de l'orthodoxie éthiopienne, de l'islam et des bêta Israël. Arrivée à l'adolescence, elle peut pas avoir de petite amie ou de relations avant le mariage, et encore moins des relations sexuelles, parce que c'est impensable, c'est honteux. En effet, elle se doit d'être une bonne fille à marier, et une bonne fille à marier, eh ben ça passe par la virginité. La moyenne du mariage en Éthiopie diffère énormément selon les régions. Par exemple, dans la région Amhara, 74% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Mais par contre, à Addis Abeba et sa métropole, seulement 14%. Pourtant, la loi éthiopienne ne permet le mariage qu'à partir de 18 ans. Les parents éthiopiens savent aussi que les dangers pour les femmes en Éthiopie peuvent être élevés. Donc ils ont tendance à surprotéger leurs filles, les couper du monde extérieur, mais ça devient un problème, parce que paradoxalement, elles ne sont pas préparées aux dangers qui les guettent. Il est attendu, du moins dans les campagnes, que la femme soit objectifiée, et du coup, qu'elle ne s'oppose ni à son père, ni à son frère, ni à ses cousins, quelle que soit leur décision. Une fois qu'elle est mariée, elle se doit d'être une épouse irréprochable, qu'elle s'occupe des enfants et des travaux domestiques, de faire de ses filles des bonnes filles à marier, à moins de faire partie d'une famille aisée ou d'être impliquée dans un business familial. Une carrière est impossible, à moins de sacrifier sa vie personnelle. Et même pour travailler, les choix sont extrêmement restreints. Le simple fait de travailler dans le monde du divertissement, travailler dans un bar, de fumer en public ou même simplement d'avoir un tatouage, quand on est une femme, ça peut être considéré comme une preuve de mauvaise vie et donc affecter la réputation de la femme ou de sa famille. Et il est inacceptable pour ce pays qui loue l'humilité et l'honneur qu'une femme s'exprime publiquement tant que son avis n'est pas demandé. C'est dans ce contexte que l'organisation féministe Girls Effect, la fondation caritative de Nike qui s'appelle Girls Hub et le département britannique pour le développement international décident de lancer un projet culturel qui vise à parler de la femme et de la mettre en valeur culturellement en Éthiopie. Il faut savoir que beaucoup d'organisations humanitaires qui souhaitent intervenir sur le terrain ont recours parfois à des moyens qui frôlent l'ingérence humanitaire, comme on dit. Comme Médecins Sans Frontières, qui avait été les premiers à dénoncer le génocide du Rwanda en 1994. D'ailleurs, Médecins Sans Frontières était aussi intervenu pendant la famine de 1984 à 1986 en Éthiopie. Mais ils en ont été expulsés lorsqu'ils ont essayé de dénoncer la déportation des populations du Wollo et du Tigray vers le sud, par le régime éthiopien. Mais aussi, ils avaient dénoncé le fait que le régime leur interdisait de soigner certaines parties de la population, ou même de distribuer des couvertures. De 84 à 86, la famine a tué environ 1 million de personnes. Et le régime de Mengistu, donc le Derg, a dépensé environ 150 millions de dollars pour célébrer les 10 ans de la révolution éthiopienne. Mais en 2010, le problème des trois organisations est beaucoup plus profond. Il s'agit d'endiguer un sexisme ordinaire, destructeur pour la société éthiopienne tout entière. En fait, les organisations sont parties du principe que faire des actions humanitaires ou créer des infrastructures gouvernementales, c'est inutile si la mentalité en elle-même est oppressive pour les femmes. Ils veulent alors changer la mentalité de l'intérieur. Et la chance qu'ont les organisations, c'est que l'Éthiopie est un pays très peuplé. Mais surtout, c'est un pays qui est extrêmement jeune, à peu près 17,3 ans en moyenne en 2010, avec une moyenne de 4 enfants par femme. Ce qui signifie que changer des mentalités chez des personnes plus jeunes, c'est déjà plus simple par rapport à une population âgée. Donc, pour toucher la population, les trois organisations ont décidé d'utiliser un médium assez peu commun, la musique. Et c'est très intelligent parce que dans les années 2010, les artistes occidentaux commencent à s'éveiller sur la question du féminisme, notamment avec Beyoncé, Lady Gaga ou même TLC. Mais ça, c'était un peu plus tôt. En Éthiopie, c'est pas vraiment le cas. En 2010, les chansons les plus populaires sont des chansons d'amour, de jeunes femmes esseulées, ou alors érigées comme des femmes à marier par les chanteurs masculins. Well, I'm
Les jeunes chanteuses sont quant à elles très jeunes, très belles, souvent de jeunes modèles qu'on va former au chant. C'est d'ailleurs une blague récurrente dans la communauté éthiopienne. Elles sont toutes très apprêtées, souvent avec le même profil, la peau plutôt claire, les cheveux bouclés, habillées de façon soit ultra moderne, soit avec des habits traditionnels. Et elles chantent l'amour. Seulement l'amour. Mais très peu parlent de la réalité des femmes éthiopiennes. L'idée est donc assez simple. Créer un groupe de chanteuses sur le modèle d'un girls band qui va chanter, qui va devenir un modèle pour la génération éthiopienne. Et alors le public concerne les personnes de 12 à 15 ans, et plus particulièrement les filles. Selom Tadese, la manager générale des Emerg, explique leur choix ainsi. Nous pensons que les jeunes filles sont détachées de la société et donc ne savent pas comment se débrouiller dans le monde extérieur. Nous souhaitons les équiper d'outils qui pourront les préparer à sortir dans le grand monde et à les aider à prendre soin d'elles-mêmes. Les trois entreprises qui étaient à la base, à l'origine du projet, se nomment Emerg, Mango Production et Deloitte Consulting. Ce sont ces trois entreprises qui ont été choisies par les trois autres organisations non gouvernementales pour donner vie à ce qu'on appellera Yenya. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce projet est presque exclusivement créé par des femmes. Chacune avait un rôle très précis dans l'élaboration du groupe. Emerg s'occuperait de tout ce qui concernait le travail de recherche, de documentation. Elle a été créée en 95 par Selom Tadese, justement. C'était une présentatrice assez connue en Éthiopie parce qu'elle a été gestionnaire de la société de télévision nationale et donc elle s'y connaît parfaitement en gestion de l'image et de publicité. Et donc c'est elle, la tête pensante derrière Yenya. Mango Production s'occuperait alors de tout le travail de production, à savoir tout ce qui concerne la musique, la scénarisation, la réalisation ou même l'acting. Cette société a été créée en 2003 par Aïda Achenafi. C'est la réalisatrice des docudramas Gouzo, qui traite de la différence entre les Éthiopiens citadins et les Éthiopiens de la campagne, et donc elle a de l'expérience en ce qui concerne des différences de culture dans l'Éthiopie tout entière. Bien sûr, elle n'est pas la seule qui touchera à la production du groupe, puisqu'une grande équipe de producteurs sera engagée, parmi même les plus renommés d'Éthiopie, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, on a Deloitte Consulting. Eux, c'est un cabinet d'audit international qui gérera la supervision des finances et des opérations. Le budget alloué à la création de Yenya est de 154 millions de birr pour la préparation du groupe, la campagne de pub, les clips et les musiques. La première année de la formation, en 2011, les efforts d'Emerg se concentrent d'abord sur les recherches, pour étudier le ou les profils types de la femme éthiopienne. En effet, une équipe de 6 scénaristes sont allées dans les campagnes et elles ont observé la vie des femmes là-bas pendant 2 semaines. Ils ont réussi à dégager 5 personnages types, qui résulteront en les 5 personnages. En 2012, le gouvernement britannique prêtera 11 millions de livres et 1,2 million de livres en nature aux 3 organisations, à savoir Girls Hub, Girls Effect et le département britannique. Et il faut savoir que tout cet argent n'est pas seulement dédié au groupe éthiopien, mais aussi pour l'ouverture de centres et d'infrastructures dédiées à l'éducation des femmes et la lutte contre les violences sexistes. Mais tout ça, c'est bien beau. Parce qu'une fois le projet préparé, il faut choisir les chanteuses. Et le problème, c'est ça. Il faut trouver des chanteuses. Des bonnes chanteuses, avec des voix spéciales, représentatives, mais aussi qui pourraient être des bonnes actrices. Et on trouve les 5 actrices. Premièrement, on a Lemlem Haile Mikael. Elle naît en 1990 à Agarfa, dans la zone du Balé en Oromia. Elle passera
toute sa jeunesse à regarder des séries éthiopiennes et à écouter de la musique. Même si elle aime la musique d'ailleurs, Lemlem préfère jouer. Après le bac, elle s'oriente dans le département des arts dramatiques de l'université d'Addis Abeba, d'où elle sera diplômée en 2009. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, à 20 ans, elle sortira Lante, et en 2011, elle sortira Agere, pour se faire la main et montrer un peu ses capacités musicales. Elle passera les auditions, comme toutes les autres, en 2013. Et je pense que ces deux clips l'ont certainement beaucoup aidée pour prouver son talent. Elle sera retenue par les conseillers. Et Yerusalem Kelemework est née en 89. Et elle a été élevée dans la banlieue de Filwa, dans le quartier de Kirkos, à Addis Abeba. Elle est un peu comme son personnage, elle a toujours été un peu rêveuse, parce qu'elle commence à chanter et à écrire des poèmes dès la troisième. Elle confiera d'ailleurs aux médias « Je suis aussi libre qu'un oiseau ». Elle est loin d'être timide. On voit ça parce qu'elle lit ses textes devant ses camarades, avant le commencement des classes. Elle a été diplômée du département de musique de l'école Teferi Mekonnen en 2012. Et d'ailleurs, elle rencontrera Teref au Indek. J'expliquerai un peu plus tard ce qu'est le Indek. Et une fois qu'elle aura rencontré Teref, c'est avec elle qu'elle a entendu parler des auditions de Yenya. C'est probablement pour cela d'ailleurs qu'elle partage un lien extrêmement fort, jusqu'en 2021. Raël Guetou est né le 8 mars 1994 à Addis Abeba. Ses parents lui donnent une éducation très stricte. Et elle est pour ainsi dire la Michael Jackson de la formation, dans la mesure où elle commence sa carrière extrêmement tôt. Dès ses 11 ans, elle travaille au Arad Kilo Children et Youth Center, tout en poursuivant son école primaire et secondaire dans la prestigieuse école privée Black Lion High School. Elle arrêtera à l'âge de 17 ans. À l'université, loin de lâcher ses rêves, elle choisit de s'inscrire au département des arts dramatiques d'Addis Abeba, tout en travaillant comme chanteuse dans les boîtes de nuit. Ce rythme infernal lui apportera au moins une chose par rapport à ses concurrentes. Elle va acquérir une vraie expérience de scène. Et comme dans un cercle vertueux, elle finit par être remarquée et devenir danseuse. Elle apparaîtra en tant que figurante dans beaucoup de clips, comme celui de la grande chanteuse Netsanet Mesele, Bye Bye. Alors même qu'elle est en train de se promouvoir avec les filles, elle se marie et donne naissance à 21 ans à sa petite fille, Afomi. Mais pourtant, comme c'est une grande bosseuse, elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de prendre du temps pour elle pendant sa grossesse. Zebiba Girma, elle, est aussi originaire d'Addis Abeba. Elle est du quartier de Lideta. Elle est née en 1994. Jusqu'à ses 16 ans, elle mène une existence assez pauvre, et même très pauvre. Elle commence sa formation de chanteuse et d'actrice au Father's House, une institution fondée par Tesfaye Abebe, le grand producteur. Comme ses partenaires de jeu, elle commence à jouer dans des groupes, à chanter dans des dramas. À 15 ans, elle auditionne pour Ethiopian Idol. Et même si elle n'est pas retenue, les juges sont formels. Elle deviendra une grande star. Lorsque les représentants du projet Yenya viennent dans son école pour faire passer les auditions, Zebiba a 18 ans et elle passe les derniers examens du bac. Et là, il y a un problème. L'audition et ses examens doivent se dérouler en même temps. Et vous savez quoi? Elle a eu les deux. Alors même qu'elle a la possibilité d'intégrer l'université, ce qui est extrêmement difficile en Éthiopie, Zebiba choisit Yenya, qu'elle voit comme une meilleure opportunité de carrière. Elle confiera d'ailleurs aux médias Fortune que l'art est sa vie, et donc qu'elle n'avait pas vraiment d'autre choix. Elle accueille sa première petite fille en 2016. De loin, Teref est probablement celle pour laquelle le chemin a été le plus tortueux. Déjà, elle est la seule à ne pas venir d'Addis ou de sa métropole. Elle vient de Jimma, une ville dans la région de l'Oromia. Le véritable nom de Teref Kassaoun est Kia Kassaoun. C'est d'ailleurs sous ce nom que vous allez la retrouver sur les réseaux. Elle est née en 90, dans une époque où l'Éthiopie était encore plus pauvre que maintenant. Il se trouve que Jimma est une ville partagée entre 3 peuples, dont les 2 majoritaires sont Oromo et Amara. On y reviendra. Enfant, elle chante à tue-tête dans les rues, partout où elle le pouvait, quand elle le pouvait. Elle rejoignit même le cirque de son quartier pour y chanter et montrer son talent. C'est tout naturellement alors qu'elle n'aura qu'une seule idée en tête, réussir dans la chanson. Jimma, elle y est née, et elle y restera jusqu'à ses 16 ans, où elle partira pour Addis Abeba, avec un seul objectif en tête, devenir chanteuse, peu importe le prix. Mais Addis Abeba n'est pas la terre promise pour elle. Elle galère, elle travaille tour à tour comme professeur particulier, enseignante, DJ, caissière, coiffeuse. Mais dans tout ça, Teref, elle se décourage pas. À Addis, elle obtiendra son diplôme de professeur, tout en continuant à chanter. Elle participera d'ailleurs, elle aussi, aux auditions Ethiopian Idol. Elle atteindra même les 40 derniers finalistes, mais elle sera éliminée, très vite. Bien que tout semble l'empêcher d'avancer, elle lâche rien. En 2009, elle parvient à intégrer la troupe nationale de théâtre. Et après 3 mois d'entraînement intense, où elle prend des cours de chant, de danse, de théâtre,
Elle réussit à participer à quelques pièces, et ça, ça va lui permettre d'ouvrir une première porte. Elle va faire partie de la distribution de la pièce Hendeke. C'est une pièce historique qui narre l'histoire de la reine Hendeke, dont l'eunuque fut le premier homme à être baptisé. En fait, c'est une pièce extrêmement importante dans tout ce qui concerne le patrimoine culturel éthiopien. Et c'est pour ça que c'est très important d'en faire partie. Quand l'équipe de Yenya arrive au théâtre, elle passe les auditions sans réellement savoir si elle va être prise, ou même si le groupe va avoir du succès. Pour elle, seule comptait la musique et le fait de jouer pour les autres. Alors, les cinq filles se retrouvent et font toutes partie du même groupe, Yenya, qui signifie « nous » ou « le nôtre ». Les filles suivirent alors une formation intensive de chant, de danse, de comédie. Elles doivent prendre des cours de respiration pour chanter tout en dansant. Elles doivent faire du sport, notamment de la natation. Pendant ce temps, les grands noms de la chanson éthiopienne s'incluent dans le processus créatif. Notamment Abraham Wolde, Jah Yidou, Fekadu Tekle Mariam ou encore le producteur Abegaz Shiota. C'est d'ailleurs lui qui composera toutes les musiques et de tous les clips. Tout était fin prêt pour parler des problèmes sociaux en Éthiopie. Mais là, un problème de taille. La cible de ce groupe, celle qui allait être touchée par ces messages, était l'Éthiopie rurale. Et qui dit rurale, dit pas forcément accès à Internet. Et pas forcément accès à la TV. C'est là que Girls Effect a eu une idée de génie. Avec plusieurs collaborateurs, dont l'opérateur téléphonique phare Ethio Telecom, ils ont fait en sorte que le groupe Yenya soit diffusé sous forme de podcast. Je rappelle qu'on est en 2013. Chaque épisode était composé comme une histoire pour chaque personnage, avec un clip et une musique. Cette série a permis d'atteindre environ 8,8 millions de personnes et d'avoir un impact sur les mentalités non seulement des hommes, mais également des femmes et l'éducation qu'elles donnent aux jeunes filles. Pour vous faire comprendre pourquoi les jeunes filles sont si appréciées en Éthiopie, laissez-moi vous parler de tous les personnages. Lemlem, elle est jouée par Raël Guetou. Et elle doit s'occuper des tâches ménagères, des frères et sœurs, parce que sa mère est malade. Mais malheureusement, à cause de ça, elle peut pas assister aux cours, elle peut pas aller à l'école. Chaque personnage est une représentation d'une statistique. Et celle de Lemlem, c'est la statistique qui dit qu'une femme sur trois en Éthiopie ne sait pas lire et ne va pas à l'école. En effet, en Éthiopie, on considère que l'éducation est déjà très difficile d'accès dans les campagnes, mais plus encore pour les filles, parce que l'éducation d'un enfant, ça coûte extrêmement cher. L'école publique n'est pas de très bonne qualité. L'école en Éthiopie est obligatoire jusqu'à 14 ans, soit la fin de la troisième chez nous. Envoyer un enfant au lycée, puis à la fac, c'est aux frais de la famille. Et pour une famille qui est issue de la paysannerie ou des couches basses de la société, c'est presque impossible d'envoyer plus d'un enfant faire des longues études. Donc dans la construction assez patriarcale de la société éthiopienne, la femme doit rester à la maison et s'occuper des enfants. Donc, il est inutile de dépenser une telle somme pour quelqu'un qui, de toute façon, va devoir arrêter de travailler pour s'occuper de sa famille. Bien que l'Éthiopie change énormément, surtout en ce moment, cette mentalité est extrêmement présente, donc il n'y a pas beaucoup de filles qui sont envoyées à l'école, ce qui crée un fossé énorme entre les hommes et les femmes, en plus de mettre des femmes des campagnes en position de faiblesse, puisqu'elles n'ont pas accès à des savoirs de base. Comment fuir un mariage qui se passe mal si vous savez pas lire, ne serait-ce que pour les arrêts de bus? Comment vous pouvez faire? Mimi est jouée par Lemlem Aile Mikael, et elle est la chanteuse principale de la formation. Mimi, c'est une enfant des rues qui a fui un mariage arrangé quand elle avait 13 ans. Elle erre sans but dans la 10, mais elle vit toujours dans la peur d'être retrouvée par son mari ou sa famille qui a perdu beaucoup d'argent et son honneur. Bien qu'en Éthiopie, le mariage d'enfant est illégal et en perte de vitesse d'ailleurs, dans les campagnes, il reste des endroits où la tradition se perpétue. Parce que c'est une tradition, parce qu'il n'y a pas énormément de contrôle, ou tout simplement parce que parfois les policiers sont ceux qui se marient avec des mineurs. Ainsi, les enfants, et surtout les petites filles qui sont confrontées à cette réalité, peuvent être exposées à un mariage forcé, ou plus courant, la sinistre méthode du mariage par enlèvement. Cette pratique repose sur l'importance de l'honneur dans la culture éthiopienne. Elle consiste pour un homme qui souhaite épouser une jeune fille de l'enlever, de l'abuser, créant un risque de déshonneur. Une femme non vierge, même violée, reste une femme qui a couché hors mariage, et donc elle menace la réputation de la famille. Et les répercussions d'un tel déshonneur sont terribles pour une famille qui vit dans un milieu rural. Moquerie, humiliation, perte de contrat puisqu'on considère que c'est une famille avec des mauvaises mœurs, honte, incapacité de participer à des décisions de village, et surtout, et c'est le plus grave, incapacité de se retrouver un partenaire, tant la pression sociale autour de la sexualité de la femme est importante.
En 2014, d'ailleurs, il y a eu un film qui est sorti à propos de ça qui s'appelle Diffret et qui parle du cas réel d'une fille de 14 ans qui a été enlevée à la sortie de son école, qui a été violée, qui a été condamnée à mort pour avoir tué son violeur alors qu'il voulait la forcer à l'épouser. Et dans le film Fleur du désert, en 2009, Waris Dirie, qui vient de la région somalienne du Galkio, fuit également un mariage forcé au début de son histoire. Même si le mariage par enlèvement reste très fort en Éthiopie, c'est aussi une pratique très courante comme au Kyrgyzstan et dans certaines régions de l'Ouzbékistan aussi. Dans le cas où certaines jeunes filles, ou parfois même des petites filles, réussissent à s'échapper, le gouvernement éthiopien ne prévoit pas d'infrastructure d'accueil, ce qui les réduise à la mendicité ou au risque de travail sexuel. Mais l'AT est jouée par Teref Kasaoun. Et elle incarne à la fois la croissance économique de l'Éthiopie et la solitude de la femme éthiopienne. Melat, c'est une jeune fille riche, ce qui peut se voir parce qu'elle a accès à des beaux vêtements, à des perruques, à des extensions capillaires, mais aussi parce que elle est très seule. Elle a le rôle de la fille gâtée, mais selon les statistiques de Girls Hub de 2013, une fille sur cinq en Éthiopie n'a pas d'amis. Ce qui ne veut pas dire que les Éthiopiennes ne savent pas sociabiliser, mais que les jeunes filles sont tellement isolées socialement, qu'elles se retrouvent seules. Sarah, elle est jouée par Yerusalem Kelemewar. Et Sarah, c'est une jeune fille qui est modèle, qui travaille, qui est un idéal féminin. Et elle souhaite continuer dans le secondaire. Et elle est là pour contrer la statistique selon laquelle 84% des filles ne continuent pas dans les études secondaires. Ce dont je parlais un peu plus tôt avec le personnage de Lemlem d'ailleurs. Enfin, Emouye, qui est jouée par Zebiba Girma. C'est une jeune fille qui est très positive, qui est un rayon de soleil, mais elle fait face à un problème très répandu en Éthiopie, la violence domestique. Elle est une enfant battue par un père violent et alcoolique qui maltraite également sa mère. Bien que ses autres amis, et surtout Mimi, lui disent de s'opposer à son père, Emouye souffre d'un réel syndrome de la femme battue. Parce qu'en Éthiopie, 2 femmes sur 3 pensent que les violences conjugales sont justifiées. Le groupe débute alors en 2013 avec Abet, un single de présentation où elle se montre comme défenseuse de droits de la femme. Très vite, le groupe fait sensation auprès de la jeunesse éthiopienne. Il atteint 7000 vues dans les premières heures de sa publication. Ça peut paraître très peu pour nos standards actuels, mais en 2013 et pour un pays qui n'est pas raccordé à l'internet, c'est énorme. Les membres ont souvent expliqué qu'on les arrêtait dans la rue par des jeunes filles qui s'habillaient comme elles, qui étaient en totale empathie avec leurs personnages. Et même parfois, les jeunes filles qui les arrêtaient n'arrivaient pas à faire la différence entre leurs personnages et les actrices. Emouye, la fille qui est victime de violences conjugales et de violences familiales, est la plus appréciée par la jeunesse éthiopienne. Et Zebiba Girma fait très vite sensation auprès des jeunes. Bedramo la yemichawoto getsawari Emouye no. Abatoa betam haylenya nacho. Emouye ehetwam ndiyun natwani debedebacho nebere. ያንን አውጥታ መናገር በጣም ትፈራለች ነገር ግን በሁለተኛው ሲዝን መጨረሻ ክፍል ላይ በቤቷ ውስጥ ስለሚደረገው ጥቃት ለማውራት ፈቅታለች Juste après elle, on trouve Raël Guétou, qui elle a le rôle d'une jeune femme protectrice respectueuse des traditions. Le groupe revient l'année d'après avec Taïtou, un morceau qui célèbre l'impératrice Taïtou Betul, qui est une véritable icône de la force féminine éthiopienne. En 1996, l'empire éthiopien est gouverné par Ménélique et son épouse, l'impératrice Taïtou Betul. Les élites italiennes, qui se considéraient comme des laissés pour compte de la grande aventure colonisatrice en Afrique, ont décidé de s'attaquer à l'Éthiopie,
qui restait non seulement le dernier pays africain non colonisé, mais aussi une position stratégique pour le commerce vers l'Asie. Le roi italien Emanuele III fait signer à l'empereur Ménélik deux versions d'un contrat commercial. Dans la version amharique, l'Éthiopie permettait l'échange et le commerce des Italiens sur son sol, un peu comme il l'avait déjà fait avec les Français. Mais l'Éthiopie, dans cette version du contrat, restait souveraine d'elle-même. Cependant, dans la version italienne, l'Éthiopie devenait un protectorat italien et donc dépendait de l'Italie en toutes ses décisions. L'impératrice Taïtou Bétoul en a été informée par deux Érythréens qui vivaient en Italie. Et elle a commencé à monter une armée pour contrer l'arrivée des Italiens. Alors que Ménélik possédait un savoir militaire énorme, Taïtou Bétoul faisait preuve de stratégie, d'espionnage. La guerre italo-éthiopienne a duré de 1885 à 1896. Et au final, le couple impérial a réussi à mener son peuple à la victoire et à garder son indépendance au prix d'une dernière bataille, la bataille d'Adwa, le 1er mars 1896. Durant cette bataille, les Italiens ont perdu environ 6000 soldats, dont 5 commandants et la quasi-totalité de leur artillerie, contre 4000 tués chez les Éthiopiens et la récupération de toute l'artillerie lourde perdue par les Italiens. Depuis, le 1er mars est la fête nationale en Éthiopie et Taïtou Bétoul est devenue une icône du patriotisme et de la force des femmes éthiopiennes. Yenya va donc s'en inspirer pour répandre du courage et de la force pour les filles. Elles sont même en featuring avec la chanteuse mythique Aster Aweke et promeuvent la compagnie Ethiopian Airlines. Pourquoi Ethiopian Airlines? Déjà parce que c'est une fierté éthiopienne, nationale, mais aussi parce que c'est la première femme pilote dans une compagnie aérienne en Afrique. Et tout s'enchaîne pour Yenya. En 2015, Girls Effect sort le film Yenya, qui va encore plus expliciter les problèmes des personnages. Et d'ailleurs, pour l'avoir vu, celle qui m'a le plus touchée, c'est Sarah. Elle est le personnage auquel les femmes nées ou élevées en Europe peuvent le plus s'identifier. Elle voit les problèmes de ses amis, mais elle reste profondément impuissante. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'elle peut faire devant la traque de Mimi par son ancien mari? Qu'est-ce qu'elle peut faire devant la maladie de la mère de Lemlem? Qu'est-ce qu'elle peut faire devant la violence du père des Mouillés? Et comment elle peut aider Mélat à se sentir moins seule? Mais je pense que la plus belle partie du film est probablement la chanson Sidet, ou Sima Bello, ça dépend comment vous l'appelez. C'est une chanson qui a été écrite en hommage aux Éthiopiens orthodoxes massacrés par Daesh le 19 avril 2015. Mais surtout, c'est une chanson qui parle de l'immigration et qui dit « Restez, on va tout construire ensemble ». Le film va même faire intervenir le chanteur légendaire Munit Mesfin en caméo. De 2013 à 2016, le gouvernement britannique a donné environ 4,5 millions de livres pour permettre la diffusion des messages des Yenya à travers toute l'Éthiopie. Malheureusement, en 2017, cette aide a été refusée et retirée pour permettre au gouvernement britannique de l'investir dans d'autres infrastructures qui sont, elles, britanniques. Yenya a été qualifiée de Spice Girls éthiopienne, de groupe de danse qui gâche l'argent des Britanniques par la droite britannique. On en pense qu'on veut, et il est probable que l'argent investi dans le développement des Yenya aurait pu être utilisé dans d'autres infrastructures. Mais est-ce que manquer de respect aux filles est un bon argument? J'en suis pas sûre. A partir de là, la formation Yenya a été en perte de vitesse. La coupure de l'aide britannique paralyse énormément le développement du groupe. Et depuis 2014, personne n'a de nouvelles de la formation initiale à l'international. Yenya devient une plateforme et d'autres personnages, d'autres actrices ont repris les rôles. Il y a même des garçons qui se sont rajoutés. Mais ce serait sous-estimer les membres de la formation originale que de penser que les 5 jeunes femmes aient abandonné aussi facilement. En 2014, les filles comprennent une chose. Pour ne pas être emprisonnées dans un style consensuel et dans leur personnage, elles doivent évoluer. Alors, elles transforment Yenya, nous, en Ndenya, comme nous, pour marquer la différence entre leur personnage et leur réelle personnalité musicale et leur style vestimentaire. Après 4 ans de silence, le 8 juin 2018, c'est le retour en force des Yenya avec leur titre Lemon Billet. ማንነት ኮራበታለው ታየበታለው ተራበታለው
toutes les filles expriment leur réel style. Ce retour est accueilli avec plus de 3,7 millions de vues sur YouTube, sur la chaîne Hope Entertainment. Cela peut paraître faible, mais prenons en compte le fait que toute l'Éthiopie n'est toujours pas raccordée à Internet et que le groupe est passé dans le mythique Save You Show. C'est une émission de télé ultra populaire en Éthiopie et en Érythrée, un peu comme le Jimmy Kimmel Show aux USA. D'ailleurs, ça se présente un peu comme ça. Les filles se produiront là-bas et discuteront un peu de leur vie, de leur combat pour les droits des femmes. Le 6 septembre 2018, donc près de 3 mois après, les filles sortent le titre qui va réellement les propulser en haut des charts avec Obelene. C'est une observation personnelle, mais les clips qui possèdent une atmosphère visuelle de l'Éthiopie traditionnelle sont toujours plus populaires que ceux qui sont dits modernes. Et étonnamment, les chansons patriotiques sont souvent très prisées par les étrangers ou les membres de la diaspora. Pendant toute la fin de l'année 2018, Raël, Lemlem et Zibiba se préparent pour débuter en solo, au début de l'année 2019. Mais avant, elles vont sortir leur dernier grand tube tous ensemble, Feker. Faker sort le 9 février 2019 et comptabilise 4,7 millions de vues. Il explose tous les records et reste dans les tops concernant la chanson traditionnelle éthiopienne. Mais cette chanson qui prône l'amour sera la dernière chanson du groupe. Parce qu'en effet, le 28 février 2019, Raël Gettou débute en solo avec sa chanson Tilopeng. Cette chanson comptabilisera cette fois 15 millions de vues et sera un véritable tube. Et suite à ce succès, Raël Gettou annonce qu'elle ne reviendra pas dans le groupe et poursuivra sa carrière en solo. Pour cette chanson, elle a gagné le prix du meilleur single de l'année. Zibiba Germa, qui elle aussi préparait son solo, débute le 8 août 2019 avec Gera Ger, qui comptabilisera 12 millions de vues. J'aime bien sa chanson, même si le tout-tune est très présent. Mais elle a la particularité d'inclure des instrumentales traditionnelles beaucoup moins présents et beaucoup moins criards que dans d'autres chansons sorties à la même époque. On peut d'ailleurs beaucoup plus profiter de la voix de Zibiba Kierma, qui fait partie des plus belles du groupe, des plus claires. Elle s'inscrit alors dans l'élite des stars éthiopiennes, et proche notamment d'actrices phares comme Addis Alem Getaneh ou Fria Tiemane. Elles se suivent sur Instagram d'ailleurs. Deux mois plus tard, c'est au tour de Lemlem Haile Mekael de sortir ma chanson préférée de toutes, à savoir Gedam. Malheureusement, ne rencontrera pas le même succès que ses congénères. Et pourtant, je trouve l'emploi du Machinko en tant que pont instrumental assez intéressant, dans le sens où elle pourrait très bien devenir une chanson pop presque occidentale. Mais je pense que c'est là aussi où le bât blesse. Les trois chanteuses continueront de poster beaucoup de chansons et un album en préparation pour Raël Gettou pendant l'année 2019.
Depuis 2020, Zebiba Girma, soit la deuxième membre qui a réussi à se sortir de son image de Yenya, anime le Bireman Show, où elle invite et interviewe de nombreuses célébrités éthiopiennes comme Denaït ou Addis Salem. Elle a d'ailleurs également eu l'occasion de rencontrer la légende de la chanson Tewodros Kasaoun, que vous connaissez peut-être sous le nom de Teddy Afro. Mais elle révèle le 17 septembre 2020 dans le Sefiu Show qu'elle n'est payée que 6000 birres par mois, alors même que le show est extrêmement populaire. Teref Kasaoun est quant à elle très active sur sa page Facebook et sur son compte Instagram, sur lequel elle fait parfois des lives d'ailleurs. C'est très intéressant de remarquer la différence entre elle et ses congénères, Zebiba Girma ou Raël Guettou. En effet, alors que Zebiba et Raël sont suivis par des milliers de personnes sur leurs réseaux sociaux, la page Facebook officielle de Teref compte un peu moins de 2000 fans et son compte Instagram est en dessous des 800. Mais à la différence de Raël et Zebiba, Teref est beaucoup plus passionné quand il vient de parler de politique, et notamment par rapport à tout ce qui se passe en Éthiopie, dans le Tigray, et les tirs contre les manifestants Oromo. Elle repartage beaucoup de posts critiquant les actions du Premier ministre Abiy Ahmed. Même si Zebiba poste aussi des photos en rapport avec la politique, elle condamne surtout le génocide Amhara qui a lieu en ce moment dans les régions Oromo et Tigray. Est-ce que le ton très virulent de Teref participerait à son mauvais score de vues sur son solo? Je ne sais pas. Parce qu'en effet, en 2020, Teref Kasaoun a débuté avec Demona. Qui atteindra 600 000 vues. Sur sa chaîne YouTube, Kiya Kasaoun est suivie par 7 000 abonnés. Elle sortira d'ailleurs plusieurs titres sous son vrai prénom, Kiya, mais également quelques petites vidéos avec son fils, parce qu'elle aussi, elle a eu un enfant. En fait, la seule personne qui n'a pas encore sorti de solo à ce jour, c'est Yerusalem Kelemework, celle qui jouait Sarah. En effet, selon son compte Instagram, elle s'implique énormément en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles en Éthiopie, que ce soit envers les hommes, les femmes, les enfants, mais elle s'implique aussi dans la reconnaissance des droits LGBT, qui, je le rappelle, est encore pénalisée en Éthiopie. Elle reste encore en contact avec ses anciennes collègues, comme Teref, avec qui elle avait commencé, mais aussi avec des actrices, comme justement Addis Salem Getane. Par contre, il semble qu'à la différence de ses collègues, elle veuille plus sortir de projets solo. Elle est déjà apparue dans l'émission de Zebiba, Birman Production, Zebiba qui la soutient profondément, comme Teref Kasaoun, mais pourtant, elle paraît pas avoir autant d'attirance pour le monde du divertissement qu'avant. Depuis, Zebiba, Teref Kasaoun, Lemlem Aile Mekael et Yerusalem Kelemework se sont retrouvés pour chanter sur un titre qui célèbre le projet du barrage hydraulique du Nil, qui va permettre à des centaines de milliers d'Éthiopiens de profiter de l'électricité. Mais aucune nouvelle de Raël Guettou. Maintenant, en 2021, les jeunes femmes sont toutes proches de la trentaine, si elles ne l'ont pas déjà dépassée, et sortent à présent des titres beaucoup plus personnels, plus doux, qui nous apprennent à les connaître. Mais toujours en se battant pour la reconnaissance des droits des femmes en Éthiopie, et en Afrique de l'Est en général. Si vous avez le temps, allez streamer les solos des filles.